sans savoir que notre pays est aujourd'hui pratiquement l'îlot de paix, de démocratie, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, le chef de l'État reçoive le haut commandement pour que nous puissions voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que davantage nos populations soient sécurisées et que nos peuples, n'est-ce pas, puissent vivre en toute quiétude. Lorsqu'on regarde les soubresauts dans les pays qui nous entourent, et nous devons chaque fois en pareille circonstance, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu pour avoir sa main sur notre pays, pour que nous puissions vivre cette paix-là. Mais il faudrait que nous puissions, et chaque Béninois, en ce qui le concerne, puisse participer à la préservation de cette paix. Nous devons appeler donc chaque Béninois à jouer sa partition, à aider à sa propre sécurité. Et le gouvernement, quant à lui, il jouera sa partition. Donc il a été question de cela aujourd'hui. Et nous avons abordé également avec le chef de l'État le problème, n'est-ce pas, de l'implication des forces de sécurité, de défense, les forces paramilitaires dans l'action de développement de notre pays. Et à cet effet, et le Conseil national de sécurité intérieure, qui sera mis en place très très prochainement, et a entre autres activités, n'est-ce pas, de définir des tâches prioritaires de développement auxquelles ces forces-là seront appelées à participer. Nous pouvons déjà dire que nos forces de sécurité, de défense, les forces paramilitaires sont appelées instamment à présenter à la prochaine réunion du Conseil un plan d'action qui doit prévoir un ensemble d'actions d'état à mener, à savoir l'implication de ces forces dans la création des retenues d'eau. Je crois que elles en ont les moyens, elles en ont les compétences, et il faudrait qu'elles participent. En dehors de ce qu'elles font habituellement, il faudrait qu'elles participent également au développement, aux actions de développement. Et ces forces également doivent prendre part de façon très active dans l'effort, n'est-ce pas, de sensibilisation de notre population et rassurer la population. Et à cette population, s'il y a un appel à lancer, c'est que désormais, le mot vert est opérationnel pour que tous ceux-là qui se sentiraient menacés, ceux-là qui, dans leur entourage, auraient des soupçons sur des individus donnés, puissent appeler. Et c'est un numéro vert qui est logé à la présidence. Et ce sera le numéro, c'est le 8100, je reprends, 8100-0088. Par rapport aux activités, par rapport aux actions, n'est-ce pas, que les forces de sécurité et de défense seront appelées à exécuter, il y a le problème de la réforestation de notre pays. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure de la construction de retenues d'eau, mais ces forces seront appelées aussi à prendre part active dans le reboisement, dans la réforestation de notre pays. Je pense qu'ils sont un nombre important aujourd'hui, militaires, gendarmes, policiers, eaux, forêts et douaniers. Et cet effectif-là, je pense qu'il peut se donner les moyens de participer activement à la reforestation de notre pays. Et à cet effet, le recommandement, le chef d'état-major général des armées a reçu des instructions pour que dans une semaine, un plan d'action soit proposé au chef de l'État. Le gouvernement joue son rôle régalien. Il a pour obligation de défendre la population. Ces chars ne sont là pour écraser personne, mais pour rassurer les gens que et les forces de sécurité et de défense veillent, n'est-ce pas? Lorsque chacun chez lui dort et qu'il se réveille, il peut s'imaginer combien de policiers, de gendarmes, de militaires sont restés en éveil pour veiller sur la sécurité. Donc il ne faudrait pas que cela soit mal pris. Bien au contraire, la présence de ces chars doit rassurer. Lorsque vous rendez bonne manière, lorsqu'il vous arrive, n'est-ce pas, de voir des dispositifs impressionnants, mais cela ne doit pas faire peur. Au contraire, ça veut dire simplement que la population est sécurisée. Elle a les éléments à qui faire référence lorsque sa sécurité se sent menacée. Donc quand les gens parlent de la circulation de ces chars-là, je crois que c'est parce que certains n'ont pas compris l'utilité de ces chars-là pour leur sécurité, pour la quiétude de la population.